Bonjour, c'est Anna Cruz. Bienvenue sur ma chaîne où tu vas pouvoir redécouvrir tous les jeux de ton enfance. Pour les retrouver, rien de plus facile. Rends-toi sur ma chaîne et regarde la playlist intitulée « Les jeux d'ordinateur de mon enfance ». Il y a plus de 200 vidéos enregistrées, alors tu y retrouveras certainement de beaux souvenirs. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître toutes les nouveautés. À bientôt! Bonjour à tous, c'est Anna Cruz. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau passeport du CE2 vers le CM1. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous avertir que le jeu n'a pas pu être fait dans son intégralité, car à cause de problèmes de compatibilité, certains exercices n'étaient pas réalisables. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même énormément de contenu, dont les chansons de passeport. Et les chansons de passeport, ce sont vraiment les meilleurs souvenirs du jeu de passeport, non? Alors, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt! Elle a beau faire des plongeons, les plus hauts, les plus longs. Elle a beau nager sous l'eau, imitant les cachalots. Il la regarde pas, ma sœur, le maître nageur. Il tourne la tête ailleurs, il fait son crâneur. Elle retourne à la piscine, avec une ou deux copines. Chaque jour de la semaine, et même aussi le week-end, il tourne la tête ailleurs, le maître nageur. Ma sœur nage de tout son cœur, nage pendant des heures. Son crawl est presque parfait, elle fait beaucoup de progrès. Elle sait nager sur le dos et surveille son chrono. Elle a oublié d'ailleurs le maître nageur. Et elle ne pleure plus, ma sœur, elle fait des longueurs. Elle a oublié d'ailleurs le maître nageur. Et elle ne pleure plus, ma sœur, elle fait des longueurs. Utilise les étiquettes pour écrire le nombre en lettres. Si tu veux entendre à nouveau le nombre, clique sur le casque. Quand tu as terminé, clique sur le bouton orange. Bravo, t'es vraiment super! Reprends.
T'es vraiment en forme. Bravo! Bravo! À ton avis, quelle région de France est la plus ensoleillée? Bravo, t'es drôlement doué. Place les monuments en face de leur date de construction. Le viaduc de Garabit, construit par Gustave Eiffel, a un peu plus de 100 ans. L'Arc de Triomphe a été commencé à l'époque de Napoléon Ier, il y a presque 200 ans. La forteresse de Château-Gaillard fut construite en Normandie par Richard Cœur de Lion, il y a plus de 800 ans. Le pont du Gard date de l'Antiquité, il a environ 2000 ans. Les alignements de menhirs à Carnac remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque de la civilisation. Louis XIV fit construire le palais de Versailles il y a plus de 300 ans. Le château de Chenonceau fut construit pendant la Renaissance, à l'époque de François Ier, il y a environ 480 ans. La pyramide du Louvre, commandée par le président Mitterrand en 1988, est encore toute récente. La pyramide du Louvre, commandée par le président Mitterrand. On t'a déjà dit que t'étais génial? Complète les phrases avec son, S-O-N, ou son, S-O-N-T. Continue comme ça, tu es champion du monde! Tu veux imprimer? Effectue les soustractions. Fais attention aux retenues s'il y en a. Super! Place à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient.
On t'a déjà dit que t'étais géniale? D'un seul trait, surligne tous les mots du groupe sujet. Quand tu as fini, clique. On t'a déjà dit que t'étais géniale? Aide le canard à traverser la rivière. Indique le nom des 9 planètes qui gravitent autour du Soleil. Clique. Mars est plus loin du Soleil que la Terre, mais moins loin que... Il n'y a que 2 planètes entre le Soleil et la Terre. Il n'y a que 2 planètes entre le Soleil et la Terre. Saturne est située juste après Jupiter. Pluton est la plus éloignée du Soleil. Mercure est la planète la moins éloignée du Soleil. Vénus est entre la Terre et Mercure. Uranus tourne entre Neptune et Saturne. Neptune n'est pas la planète la plus éloignée du Soleil, mais presque. Jupiter tourne en 5e position par rapport au Soleil. Super! Maman! Complète chaque phrase avec l'étiquette qui convient. Attention, il y a 2 étiquettes qui ne sont pas utiles. Fantastique! Relis les nombres qui se suivent pour découvrir le dessin. Attention, il faut compter de 2 en 2 et à l'envers.
Bravo, t'es vraiment super. Waouh, super! Tu as gagné de quoi me réparer. Super! Un moteur tout neuf pour faire des milliers de kilomètres. Tu veux imprimer? Complète chaque phrase avec l'étiquette qui convient. Attention, il y a deux étiquettes qui ne sont pas utiles. Quand tu es sûr de toi, clique sur le bouton orange. Bravo, t'es drôlement doué. Complète chaque phrase avec le sujet qui convient. Tu sais que t'es doué, toi? Abaisse les manettes pour ouvrir les barrières et mange les fruits pour traverser les murs. Complète les phrases avec on ou n. Super!
place les images dans l'ordre pour indiquer qui mange qui. On t'a déjà dit que t'étais génial ? Utilise ton clavier pour écrire en chiffres le nombre qui suit celui que je vais énoncer. Si tu veux entendre à nouveau le nombre, clique sur le casque. Quand tu es sûr de toi, clique sur le bouton orange. Tu peux faire défiler les nombres en... Clique sur la carte pour obtenir des indications et trouve à quel type d'agriculture correspond chaque zone de couleur. Quand tu as... Ces terres sont peu ou pas cultivées. Ici, ce sont les arbres et les arbrisseaux forestiers qu'on exploite. Les herbages constituent le paysage dominant de ces régions, grandes productrices de viande, de lait et de fromage. Dans ces régions de plaine, aux grandes étendues plates ou peu vallonnées, le blé et le maïs restent les principales productions. Dans ces régions, le sol est utilisé de façon intensive. On cultive plusieurs produits à la suite en fonction des saisons. La richesse des sols et l'ensoleillement favorisent naturellement la production de ce fruit. Plus souvent destiné à être bu, c'est le savoir-faire. Bravo! Bravo! As-tu des... Bravo, bravo! D'un seul trait, surligne tous les mots du groupe verbal. Quand tu... Chef indien, le grand chef de guerre. Chef indien, le grand chef de guerre. Manitou, Chichawani. Manitou, Chichawani. Oi, 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 Bettina Chawa. Oi, 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 Bettina Chawa. Chichawani, Bichini, Chichawani, Bichini. Quand la nuit descend du ciel, quand la nuit descend du ciel, un sorcier apparaît dans la vallée, un sorcier apparaît dans la vallée. Et tous les Indiens se rassemblent, et tous les Indiens se rassemblent. Manitou, Chichawani. Manitou, Chichawani. Oi, 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 Bettina Chawa. Oi, 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 Bettina Chawa. Et tous
Retrouve de quelle époque date chaque véhicule. Clique sur les images pour avoir des informations. Quand tu es sûr de toi, clique sur le bouton orange. Les chars romains étaient utilisés pour des courses dans les arènes, ils servaient aussi à la guerre. Fantastique! Effectue les soustractions. Tu n'es pas... Fantastique! Utilise les lettres pour écrire le contraire du mot affiché. Bravo, t'es drôlement doué. Relis les nombres qui se suivent pour découvrir le dessin. Attention, il faut compter de 5 en 5. Waouh, génial! Y'avait un crapaud qui s'appelait Fifaille. Y'avait un crapaud près d'un ruisseau qui se laissait traîner les pattes à l'eau et qui jouait du banjo. Oh, Fifaille, Filiao, oh,
fi fa fi diao. Fi fa fi diao. Et qui jouait du banjo encore. Fi fa fi diao. Fi fa fi diao. Fi fa fi diao. Et qui jouait du banjo. Y'avait un crapaud qui s'appelait Fifi. Y'avait un crapaud près d'un ruisseau. Mais nous l'entendons plus jouer du banjo, car il est tombé dans l'eau. Plouf, ouh. Fifi, fidiao. Fifi, fidiao. Fifi, fidiao. Car il est tombé dans l'eau encore. Fifi, fidiao. Fifa fidiao, fifa fidiao, car il est tombé dans l'eau. Du 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 du, du 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 du, plouf. Du 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 du, du 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 du, plouf. Complète chaque phrase avec l'étiquette qui convient. Fantastique! Complète les phrases avec les pronoms personnels qui conviennent. Charlemagne devient empereur d'Occident. Napoléon est sacré empereur des Français. L'Allemagne capitule le 8 mai de cette année. Napoléon est sacré. L'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale est signé le 11 novembre de cette année. Jeanne d'Arc est brûlée vive. C'est le début de la Révolution française. Le roi Henri IV est assassiné. Un enfant de 5 ans devient roi. Il s'appelle Louis XIV. Napoléon est sacré empereur des Français. L'Allemagne capitule le 8 mai de cette année et le conflit de la Seconde Guerre mondiale prend fin. Bravo, bravo! Effectue les additions. Tu sais que t'es doué, toi ? Légende, le schéma du cycle de l'eau. Clique sur un nom de la liste, écoute bien et pointe sur le schéma la flèche correspondant au phénomène décrit. Au printemps, la neige et la glace fondent et viennent gonfler les rivières. Les nuages libèrent de la pluie ou de la neige. L'eau des mers et des océans s'évapore. Les eaux de pluie s'infiltrent dans le sol. La vapeur d'eau forme les nuages qui, poussés par le vent, s'accumulent au-dessus de la terre. Les eaux de pluie ruissellent et forment des rivières. Après un trajet souterrain, les eaux infiltrées remontent en surface. Elles s'évaporent dans l'air ou nourrissent les plantes. Bravo, t'es vraiment super!
Tu veux imprimer ? Utilise ton clavier pour écrire les mots que je vais te dicter. Complète. T'es vraiment en forme. Abaisse les manettes pour ouvrir les barrières et mange les fruits pour traverser les murs. T'es vraiment en forme. Oh yeah! La Garonne est le plus petit des cinq fleuves français. Il trouve sa source. La Garonne est le plus petit des cinq fleuves français. Il trouve sa. Le Rhône prend sa source dans les Alpes suisses. La Seine traverse entièrement Paris et se jette dans la Manche. La Dordogne est un affluent de la Garonne. La Loire est le plus long fleuve de France. Le Rhin prend sa source en Suisse. Traverse la France, l'Allemagne et les Pays-Bas pour... Le Rhin prend sa source en Suisse,
traverse la France, l'Allemagne et les Pays-Bas pour aller se jeter dans la mer du Nord. L'Allier est un affluent de la Loire, c'est-à-dire qu'il se jette dans la Loire. La Saône est le principal affluent du Rhône. La Moselle est un affluent du Rhin. La Marne est un affluent de la Seine. La Dordogne est un affluent de la Garonne. Yahou ! Génial ! Place le signe qui convient entre chaque... Bravo! Bravo! Reproduis. T'es vraiment en forme. Complète les opérations en ligne.
Hip hip hip, hourra! Utilise ton clavier. Complète les phrases. Félicitations, tu sais que tu m'épates. Complète chaque phrase. Continue comme ça, tu es champion du monde. Clique sur la carte pour obtenir des indications et trouve à quel type de relief correspond chaque zone de couleur. Fantastique! T'as qu'à faire comme les grenouilles. Oh que c'est froid, aïe aïe ouïe. T'as qu'à faire comme les grenouilles. Oh que c'est froid, aïe aïe ouïe. Il faut compter 1, 2, 3. Main jointe poussée en avant. Ramenez les bras vers moi. Je coule au secours, maman. Maman, c'est plus facile dans le salon. À plat ventre sur une chaise, je nage à la perfection. Je me sens super à l'aise. T'as qu'à faire comme les grenouilles. Elles n'ont pas du tout la trouille. T'as qu'à faire comme les grenouilles. Elles n'ont pas du tout la trouille. Y'a des drôles de trucs au fond. Des algues et même des poissons. Je vais me boucher le nez pour aller les regarder. Oh, t'as vu, il y a du courant. Et si on remettait la bouée, comme ça c'est bien plus marrant. Allez viens, on va jouer. Plouf plouf, c'est nous les grenouilles. On s'éclabousse, on se mouille. Plouf plouf, c'est nous les grenouilles. On s'éclabousse, on se mouille. Plouf plouf, c'est nous les grenouilles. La bouse, on se mouille. Plouf, plouf, c'est nous les grenouilles. On s'éclabousse, on se mouille. Retrouve.
Bravo, t'es drôlement doué. Utilise. Trouve la phrase négative. En France, la Grèce, pays méditerranéen, le Portugal est délimité. La Belgique est enclavée entre l'Allemagne, les pays. Le Royaume-Uni est formé au sud de l'Europe, l'Italie est. L'Allemagne partage ses frontières. La Suède, au nord de l'Europe, partage une frontière avec la Finlande. Tu sais que t'es doué, toi ? Retrouve l'heure indiquée par chaque horloge. Clique. Aide la peluche à traverser la rivière. Complète chaque phrase avec. Utilise les étiquettes pour écrire. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. Marie-Antoinette d'Autriche épouse Louis XVI et devient reine de France en 1770. En débarquant aux Antilles en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. En 1658, Molière et sa troupe de théâtre obtiennent les faveurs du frère du jeune roi Louis XIV. En 1658, Molière et sa troupe de théâtre obtiennent les faveurs du frère du jeune roi Louis XIV. Marie-Antoinette d'Autriche, en 1658, Léonard de Vinci, artiste et savant renommé, commence à peindre la Joconde en 1503. En l'an 50 avant Jésus-Christ, en 1804, Napoléon Ier devient empereur des Français. Le général de Gaulle, Marie Curie, savant de grande valeur, reçoit le prix Nobel de chimie en 1911. Marie Curie, savant de grande valeur, en 1658, Marie-Antoinette en 1804. Marie Curie, savant de grande valeur, reçoit le. Bravo, t'es drôlement doué. Effectue les multiplications. Tu veux imprimer ? Tu ne les vois pas. T'as composté ton billet cramponné à ta valise. Le quai est ensoleillé, tu sens l'odeur de la brise. T'as la tête ailleurs, t'es déjà là-bas et les contrôleurs, tu ne les vois pas. Thank you.
Miam, miam. Colorie les ballons en respectant le code. Effectue les multiplications. Un rond de lumière et un air de trompette. Voici les cuillères, sourire et paillettes. Sous les projecteurs, un air de violon. Voici le dompteur et ses quatre lions. Juste après l'entracte, un air de tuba. Voici l'acrobate, il a la tête en bas. Il prend son élan, un air de piccolo. Voici le clown blanc, c'est le plus rigolo. Il est ridicule, un air d'accordéon. Et les funambules marchent à reculons. Il laisse la piste, un air de basson. Aux équilibristes, ça donne des frissons. Oh, un rond de lumière et un air de trompette.